Il a tenu à rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 11 avril 2014. Il l'a fait. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire en fin de matinée. L'entretien entre les deux illustres personnalités a duré environ 3 heures d'horloge. Une visite qui visiblement a fait plaisir au président Alassane Ouattara en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Je voudrais, au nom des membres du gouvernement qui sont là et au nom de tous mes compatriotes, saluer et remercier le président Ali Bongo Ondimba qui a bien voulu faire ce déplacement pour venir nous voir et nous saluer, prendre de nos nouvelles. Et je lui ai dit que les choses allaient de mieux en mieux et que je me portais bien et nous avons bien évidemment parlé de la situation dans nos pays respectifs, dans les deux régions, la coopération bilatérale et bien évidemment également les questions relatives au continent et les questions qui concernent la politique au niveau universel. Une visite brève, c'en est une, mais une visite très riche si l'on en croit le président de la République du Gabon. Comme le président l'a indiqué, il était quand même normal que je puisse m'enquérir de la santé de notre grand frère et puis un grand Africain. Et profitant de cela, vous vous doutez bien que nous avons parlé un petit peu des questions concernant nos deux pays, concernant nos régions. Pour un jeune président comme moi, il est aussi bon de pouvoir rechercher les conseils, surtout en matière économique et financière. Vous vous en doutez que peut m'apporter le président qui est reconnu comme avoir une expertise mondiale à la matière. Et surtout, pour nous, ce qui est très important, c'est mettre du sens, un contenu dans la relation Sud-Sud à laquelle nous croyons fermement. Et la Côte d'Ivoire et le Gabon se veulent des champions de la coopération Sud-Sud, veulent montrer l'exemplarité à ce niveau-là, mais surtout dans une approche qui est purement pragmatique. Nous sommes des hommes pragmatiques, les belles déclarations, c'est bien, mais il faut donner un vrai sens et un vrai contenu. Pour la brièveté de cette visite, Ali Bongo Ondimba a dit sans vouloir. Mais le président gabonais a promis de se racheter avec une visite d'État très prochainement. Sauf cas de force majeure, cette visite aura lieu dans 4 mois, précisément dans le mois de juillet prochain.